Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de 10 trucs que j'ai appris en lisant complètement le code source de Chrome OS. Je m'appelle François Beaufort, vous pouvez me trouver principalement sur Google+. Et je travaille à Google dans l'équipe Chrome OS à Paris. À Chrome OS à Paris, on est vraiment... je suis tout seul à Paris. Donc j'ai juste un cas exceptionnel, ok? Allez, on va commencer tout de suite. Première chose. Est-ce que vous savez ce qu'est Canary? En gros, vite fait, c'est pas Titi. C'est un channel, il y en a 4 en Chrome. Vous avez le channel stable, bêta, dev et Canary. Juste pour faire simple, le channel stable, c'est celui que vos parents, tout le monde en général a. Il est mis à jour toutes les 6 semaines et c'est ce que tout le monde devrait utiliser. Ensuite, vous avez le channel bêta, qui est mis à jour toutes les 3 semaines. Et en gros, vous vous mettez sur bêta si vous voulez voir ce qui arrive, sans trop prendre de risques pour avoir une installation plutôt stable. Ensuite, vous avez le channel dev, donc pour les développeurs, qui est mis à jour toutes les semaines. Donc là, ça commence à être un peu tendu. Perso, moi, ça fait, depuis que j'ai un Chromebook, que je suis sur le channel dev, je n'ai jamais eu de problème avant aujourd'hui. Et enfin, le channel Canary. Lui, c'est fou. C'est un channel qui vous permet d'avoir votre navigateur Chrome mis à jour tous les jours. Donc tous les jours, vous avez... des nouvelles features qui arrivent, des nouveaux fixes. Et c'est juste fou, vraiment, d'avoir un nouveau navigateur. Ce qui est encore plus fou, c'est d'avoir un nouveau système d'exploitation tous les jours. En l'occurrence, Chrome OS est ce qui est sur les Chromebooks. Et donc, moi, je me disais, mais est-ce que le channel Canary existe sur Chrome OS aussi? Parce que par défaut, on n'a que les 3. Je vous ai cité au début. Donc, de façon naïve, je vais dans Chrome 2.0/Chrome, je clique sur mon channel. Et puis je regarde, j'en vois 3. En général, ce qui se passe, c'est que les mecs, ils s'amusent à rajouter un petit truc Canary avec une petite propriété CSS où c'est caché. Je me dis, hop, on va faire inspect element, parce que c'est ça qui est cool, c'est quand même que du web. Donc je clique et je me rends compte qu'il n'y a rien du tout. Par contre, si on regarde sur l'event listener de ce bouton, on se rend compte qu'on appelle une fonction setChannel. Et qu'elle prend en argument un string de channel. Donc là, je fais, c'est super cool en fait, il suffit de faire setChannel, Canary channel, et c'est bon. Ça marche trop pas. En fait, ce que fait cette fonction, c'est que ça envoie simplement un message debug en fait, au moteur de mise à jour de Chrome OS. Donc non, trop pas. C'est pas grave, on va quand même regarder dans le code source de Chromium. Est-ce que je peux vraiment pas passer à autre chose? Et malheureusement, comme vous pouvez voir dans ce fichier, les channels sont à recoder. Dev, bêta et stable. Il n'y a pas de canary et j'ai bien l'erreur qui est résolue dès que je tente de faire autre chose. Donc, mon titi du début, à ce moment-là, il ressemble plutôt à ça. Bon. Maintenant, je ne vous ai pas des différents channels, mais aussi à nouveau, il y a un mode. Il y a un mode développeur sur les Chromebooks. C'est un mode qui permet aux développeurs de faire ce qu'ils veulent sur leur machine. Par défaut, les Chromebooks viennent avec un maximum de sécurité, ce qui fait que on peut dire que c'est un des systèmes d'exploitation les plus sûrs maintenant. Mais si on active le mode développeur, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire tourner Chrome OS et une distribution Debian à côté, on peut installer Windows 7 sur là-dessus, on peut en faire ce qu'on veut. Donc, il y a un mec, il y a plus d'un an de ça, un jeune homme qui s'appelle Kenny Strand, un jeune homme vraiment jeune, je crois, il doit avoir une quinzaine d'années, s'il tient. Est-ce qu'en mode développeur, est-ce qu'on peut s'amuser à avoir le mode, le channel Canary? Donc, non. Je suis là, moi. Donc, il regarde dans le moteur de mise à jour de Chrome OS, à ce qu'il va, et là, il est tout content. Il fait, regarde François, il y a Canary Shell ici. Je fais, ah ouais, t'as raison. Mais comment ça marche? Ben, c'est super simple. Il vous faut, vous ouvrez donc un shell. Une fois que vous avez activé le mode développeur sur votre Chromebook, vous avez un shell Linux classique. Vous faites CTRL-ALT, vous arrivez là-dessus, vous tapez shell, ce qui vous permet de rentrer dans votre shell, et vous tapez juste update another client, le channel Canary et update. Et donc juste avec ça maintenant, j'ai Chrome OS qui est mis à jour tous les jours sur la machine. C'est juste fou. Alors pour le coup, moi j'ai une machine qui est dédiée à ça. Je m'en sers pas tous les jours parce qu'il y a vraiment des jours où Canary est vraiment pété. Mais sinon, c'est quand même sympa de se dire qu'on peut le faire. Deux. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Pixel. Alors plus physiquement. C'est ça. C'est ce qu'ils appellent la light bar. Ben, c'est la seule barre qui vient sur le Chromebook Pixel, donc celui-ci, qui ne marche pas en VGA. Hein. Est-ce que vous avez un port, comment ça s'appelle,
notateur BGA. Bah, c'est gentil. En fait, tout le monde a né plein, 3, 4, mais ça n'a pas marché. Mais c'est super sympa. C'est un peu spécial. Qu'est-ce qu'on peut couper avec un autre d'ailleurs? Il demande directement à la carte d'artiste de le faire. J'essaierai après, juste après la présentation, d'accord? Tu verras, ça marche, non mais pour de vrai en plus. Et je continue juste. Est-ce que vous savez pourquoi la team Chrome s'est amusée à rajouter une light bar sur les Chromebook Pixel? C'est joli. C'est en gros ça. Sur le site web, ils disent juste parce que ça fait cool. Et c'est vrai que ça fait cool. Le problème, c'est qu'il n'y a que le Chromebook Pixel qui l'a. Et le truc sympa avec la light bar, c'est que si tu t'amuses à taper le Konami code sur ton Chromebook Pixel, tu vas avoir une petite séquence. Donc je vais le faire. Qu'est-ce que c'est le Konami code? Alors le Konami code, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit code qu'on s'amuse à mettre sur tous les... que tous les geeks s'amusent à mettre sur leur software ou n'importe quoi. Donc je vais le faire. O-O, baba, gauche droite, B-A, B-A. C'est cool, il y a une séquence. Maintenant, je vous dis, ah, c'est sympa, les mecs qui sont amusés à recoder ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, on va regarder. On va choper. Donc je vais, j'aime bien suivre régulièrement les commits qu'il y a sur le projet Chromium. Et puis on voit un jour, non, ce serait sympa qu'on puisse faire des trucs comme ça. Donc là, ça implique quand même que je sois en dev mode, puisque je vais directement les taper dans le file system de mon Chromebook. Bah, par contre, je peux rajouter des séquences. Alors, je vous propose que j'en essaie une. Donc là, c'est la partie que normalement vous voyez faire, mais vous ne me voyez pas. Donc j'ouvre un shell, je tape shell, et je vais juste aller dans CD, 6, ici, personne ne peut me dire. Virtual Chrome OS. Comment? Virtual Chrome OS. Cross EC backbar. Voilà. Donc je vais tenter une séquence qui s'appelle. Donc en gros, je fais juste echo pulse, P-U-L-S-E, dans le fichier qui s'appelle séquence. Je le fais pour vous. Vous êtes prêts? Donc imaginez qu'il n'y a pas de lumière. Voilà, j'ai juste lancé une séquence pulse. Je vais lancer une autre séquence qui s'appelle test. Voilà, c'est nul. Ça veut dire que les mecs se sont amusés à créer et à recoder ces séquences. Moi je me dis, ça serait quand même sympa que je puisse faire les miennes. J'ai genre un petit arc-en-ciel, c'est sympa. C'est dur de les recevoir quand tu vas le faire. En plus, non? Non mais c'est vrai, t'es comme ça. Non mais c'est vrai. Donc je vous suis bien, je vais faire une petite application Chrome, je vais appuyer bêtement Live Bar. Je vais faire une petite UI un peu jolie. Et ce que ça va me permettre, c'est que ça va me générer directement mes commandes shell, bash, que je vais pouvoir directement copier dans mon shell. Donc voilà le genre de truc qu'on peut faire, juste en regardant ce qui se passe dans le Chromebook. Le truc, c'est que le Chromebook est le seul, le Pixel en tout cas, est le seul à avoir une lightbar. Et tant que c'est le seul, les mecs vont pas s'embêter à implémenter une API JavaScript pour pouvoir y accéder. Donc j'espère que d'autres Chromebooks avec la lightbar vont arriver. Pour éviter de devoir utiliser ce genre d'application ridicule. 3. Oh non. Vraiment. Un rigolo. Le choix. No way, you won't load that. Don't try it. Je crois qu'il va avoir. Il y a un truc qui. Il y a une croix là-haut. Je crois que je désactive les flashs ou les compagnies. Non, mais il n'y a rien de fou, c'est juste que j'ai plus le wifi s'est pété la tronche. Tout le monde est en train de sortir son portable pour mettre pour l'exploit. Tout le monde se sert, c'était tellement bien parti pour lui, c'était tellement de mal. Et c'est chouette. C'est pété la tronche, complètement. Sinon, on peut. Parfait, beau, il n'y a plus de gâche. Ça marche mieux quand il est joueur. Pourquoi? Ça marche mieux quand il est joueur. C'est pas
pas si elle loupe. C'est un brevet sur les piece weights, sur les paramètres des petits jeux. Enfin, ouais, j'ai vu ça pendant. Sur les quoi? Sur les écrans de loading dans les jeux vidéo, t'as pas le droit de mettre un petit jeu pour faire attendre, parce qu'il y a un brevet là. Ça a été patenté, ouais. Mais le brevet il est en train de tomber, donc on va enfin pouvoir. On va avoir des choses à faire pendant que vous écrivez le loading. Pourtant, dans YouTube, dans le CLO, on peut. Pas gagner plus. Non, on peut. Dans le CLO, on peut. Quand vous avez plus de connexion internet, je crois, sur Chrome maintenant, vous pouvez directement jouer avec le petit dragon. Ouais. Ah bon? Ouais. Espace. Ah, ouais, pour le coup, ouais. Je suis là en train de voir accéder à ma page, et après, hop, j'ai le petit dinosaure. Je commence à jouer, puis je commence à être balèze, et puis hop, j'ai la connexion internet qui revient, et je perds mon score. Bon, alors imaginez qu'il y a une super image, c'est sûr, en plus ça va être très joli. Les extensions des applications sur Chrome, comme vous le savez, elles sont mises à jour automatiquement. Vous ne pouvez pas les contrôler, elles arrivent. Tout le temps, et donc ça c'est ce qui permet aux développeurs qui a besoin de pousser des security fixes, d'améliorer l'UI, d'améliorer son application de manière générale. Il est sûr que sur une direction stratégique d'une semaine, tout le monde a la dernière version de son extension. Et ça c'est super. S'il a ouvert sa machine. S'il a ouvert sa machine, c'est pour ça que je dis parler d'une semaine en gros. Sauf que moi je me demande toujours, mais combien de temps est-ce qu'il faut pour une extension pour arriver chez moi? Est-ce que ma machine va demander au web store genre toutes les minutes, hey, vas-y, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est du push? Comment ça marche? Donc quand je ne sais pas, eh ben, je vais sur cs.chromium.org, cs comme code search, et puis là, je vais taper, je ne sais pas, extension update frequency. Donc il faut à peu près maîtriser l'anglais, hein, mais à part ça, ça va. Et puis au bout d'un moment, on arrive sur ce fichier. Là, c'est comme écrit noir sur blanc, en gros, 60 par 60 par 5. Par défaut, il faut 5 heures. Pour avoir vos extensions mises à jour. Si on continue un petit peu à regarder, on se rend compte qu'ils rajoutent une petite sauce de randomness de 10%. Alors maintenant, ok, c'est ce que ça fait. Maintenant, comment je peux vérifier ça sur ma machine? C'est relativement simple. Vous ouvrez votre page Chrome 2.histogram et vous cherchez un histogramme qui s'appelle Update Check Gap. Donc les histogrammes sont très laids, on est d'accord? Par contre, ça, quand même, ça donne des informations super cool. En l'occurrence, en moyenne, 325 minutes de différence entre mes extensions. Ce qui correspond à un peu plus de 5 heures. Ok, donc ça confirme que sur la machine, c'est 5 heures. C'est limite. Maintenant, moi j'ai le sentiment, personnellement, que des fois, ça arrive vachement plus fréquemment que 5 heures. Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Ouais, c'est du moyen, c'est vrai. Je pense qu'il n'arrive pas à faire la synchro, je sais pas. Non, justement, c'est plus rapidement. J'ai l'impression que, genre, des fois, toutes les heures, il met à jour l'extension. C'est genre pas possible. Je vais pas faire un check. Enfin, d'après ce que me dit le code, en tout cas. Il les télécharge, mais il les installe pas. Non. Quand il. Mais c'est pas mal. Toutes les extensions. Comment? Toutes les extensions, il va chercher toutes les 5 heures. Ouais. Pour chaque extension, il va chercher toutes les 5 heures s'il doit les mettre non, à jour. Non. Il dépêche. Comment? Il y a un push de quelqu'un mais pour une raison particulière. Un truc de sécurité. Parce que ça exclut. Non. En gros, je m'en dis comme pas mal d'entre vous maintenant, je commence à avoir plusieurs devices où j'ai Chrome installé. Et si j'active la synchronisation parce que je suis logué à mon compte Google,
quand une machine, durant son cycle de 5 heures, va télécharger l'extension, elle va dire à toutes ses autres copines, regarde, j'ai une nouvelle extension, ah, trop bien. Et donc je l'ai installé directement. Ce qui me permet donc d'avoir moins de 5 heures. Donc ça, c'est une partie des trucs cool à avoir plusieurs devices avec la synchronisation activée. Il faut avoir 5 combos et les allumer à une heure d'intervalle. Ouais. Donc là, encore une fois, super image. Mais ça va pas lui rater le défi. Sinon, il y a quelque chose. Donc là, en gros, ce que vous voyez, normalement, c'est une carte mère. Et là, je vous demande, est-ce que vous savez quelle carte mère c'est? Ah, vous allez avoir du mal. C'est Apple. Je peux vous la montrer. C'est celle du compte de Pixel, bien sûr. C'est une. Ça aurait pu être ça. Je vous la montre, hein, c'est un peu ridicule comme ça. Mais même si je vous l'avais mis là, vous ne l'auriez pas trouvé normalement. C'était un peu le jeu. C'est un promo, ça. Voilà. Donc en gros, c'est la première carte mère du CR48. Le CR48, c'est le premier prototype Chromebook. Pourquoi je vous en parle? Parce que ce premier prototype des Chromebooks, maintenant on a. Maintenant, on a plein de nouveaux devices. On a les Chromecast, on a les Chromebooks, les Chromebox, les Chromebase, les Chromecast. Et on en a plein. Il y en a plein qui vont arriver. Et ce qui est fou, en fait, c'est de se dire que tous ces devices ont aussi un nom commercial. D'accord ? On a Samsung Chromebook, la CR7701, Toshiba, Chromebook, et ainsi de suite. Mais avant qu'ils arrivent sur le marché, on est d'accord que la team Chrome OS, qui travaille sur ces projets, doit les appeler d'une certaine façon. Oh non! Non, je peux essayer. Quand on regarde ce fichier-là, on se rend compte que j'ai toutes mes boards qui sont écrites dans cette variable, all boards. Là, vous voyez les trois petits boards parce que je n'ai pas pu tout les mettre. Il y a plus de 200 boards. C'est-à-dire que depuis le début de développement de Chromium OS, les mecs ont travaillé sur plus de 200 boards. Ça fait beaucoup quand tu te rends compte qu'il n'y en a eu que 3 en 1, on est à 35 qui sont sortis actuellement. Par contre, si tu commences à regarder un peu plus cette liste, tu vas voir des choses qui vont commencer à te sembler familières. Surtout si tu as vécu dans les années 80. Zaco, Beltino, Anglar, Daisy, qui c'est? Les types Chromes. Donc ça c'est tous les devices avec tous leurs codes, tous les noms de code pour les projets. Est-ce que tu savais par exemple que le CR48 que je parlais tout à l'heure, son code c'était Mario. Que le Samsung Combo, c'est Daisy, donc la princesse que Mario doit choper. Et ce qui est aussi rigolo, c'est qu'on se rend compte que pour chaque type de génération de Chromebook, les mecs essaient de suivre une certaine logique. Pourquoi? Par exemple, tous les Intel Asware, les mecs se sont dit, tiens, on va faire tous les mecs de Star Fox Series. On va se taper du Lion, du Falco, du MacLeod. Enfin bref, vous avez joué à ces jeux-là. Vous les retrouverez tous ici. Pour Betray, ils se sont dit, moi j'aimerais bien Donkey Kong. Donc là, on va se taper du Swanky, des Squawks et des caméras comme ça. Donc c'est quand même relativement sympa. Là il y a un qui est tout seul, c'est super rigolo, vous savez qui c'est? Sonic, tu vois, si vous voulez pas, c'est Sonic là. C'est la Chromecast. Parce que la Chromecast, clairement, il n'y a pas beaucoup de monde pour le moment. Donc Sonic est tout seul. Donc c'est super rigolo, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, vous googlez le Chrome OS Code Game Change et vous essayez de tout s'échouper. Moi, donc je commence à connaître un petit peu, je n'arrive jamais à faire tout du premier coup. C'est juste impossible. Le Pixel s'appelle Link. La plateforme web est super, on est d'accord pour le dire. Il y a des nouveaux features web. Comment? C'est une super infographie que j'adore. C'est en ligne pour le coup. Tu cherches historique du web ou un truc comme ça chez Browser. Ouais. C'est plutôt une image d'illustration, on va pas non plus regarder à chaque fois.
C'est plus pour montrer que le web évolue pas mal. Et donc tous les jours, l'équipe Chrome travaille sur des nouvelles features. Et quand tu es un développeur, tu as envie de tester ces nouvelles features tous les jours. Pas forcément en production, mais au moins le week-end chez toi pour jouer avec. Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais activer toutes les web platform features? Quand vous êtes dans cette page là, Chrome Flag, je ne sais pas si vous y avez déjà été, c'est une super page qui est super intéressante et qui vous permet de voir toutes les expérimentations que la team Chrome et Chrome OS fait sur votre navigateur et sur l'OS en général. Vous désactivez, vous réactivez. Si vous ne savez pas ce que ça fait, laissez peut-être désactiver, on ne sait jamais. En l'occurrence, moi j'aime bien activer toujours celle-ci. À quoi ça te sert? Ça me permet d'avoir toutes les features web activées. Une fois que j'active, je redémarre, et là, bah, je suis comme un con parce que qu'est-ce qu'il y a comme feature web, je ne sais pas. Donc, comme d'habitude, quand je ne sais pas, je vais googler ce nom de flag, et au bout de trois résultats, réellement, j'arrive sur ce fichier. Dans Blink, Blink, pour ceux qui ne savent pas, c'est le moteur de rendu dans Chrome. Et historiquement, c'est un fork de WebKit. Donc ce fichier-là, on voit toutes les features web et leur statut. En l'occurrence, Apache, il est stable. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'activer ce flag pour pouvoir y jouer. Par contre, la Beacon API est encore expérimentale. Donc c'est le genre de choses à laquelle vous pourrez jouer si vous activez ce flag. Maintenant, un fichier comme ça, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus sexy pour savoir à quoi jouer. Est-ce qu'il y a autre chose? Le Chrome Dashboard, chromestatus.com. Si vous retenez un truc, c'est simple. C'est super sympa. Ça vous permet de savoir donc, toutes les features web sur lesquelles l'équipe Chrome travaille. Vous faites une recherche, vous voyez ce que les autres navigateurs en pensent, vous pouvez directement contacter le mec si vous avez une question en particulier sur cette API ou cette feature. Et un truc qui est, oui, vous avez aussi les différents milestones, si vous vous foutez. Ce qui est aussi sympa, c'est les metrics. Si vous cliquez sur les CSS metrics ou les JS metrics, vous allez pouvoir voir la popularité d'une certaine propriété CSS. En l'occurrence, la propriété CSS ou X est la plus utilisée, avec 96% d'usage. Donc c'est le genre de choses, si vous vous demandez, sachez que le premier dashboard existe pour ça. Ah bah, j'ai une belle image. Je suis Tu as fini par tout charger. Le truc sympa sur Chrome et Chrome OS en général, c'est que quasiment 99% de l'UI est propulsé par le web. Et ça c'est génial, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, je peux faire un clic droit, inspecter l'élément, arriver dans ma console JavaScript et voir le code qui est en train de tourner de ce que je vois. Ça c'est super fou quand tu penses. Et donc je me dis, mais est-ce qu'il y a un endroit qui me permet de voir tous les éléments que je peux inspecter dans Chrome et Chrome OS? Ça existe, c'est la page Chrome Inspect. Vous avez donc tous vos onglets sur page, les extensions, les applications. En général, les extensions, vous dites non, je ne vois pas trop, je suis toujours vous êtes là. Et quand tu regardes, tu dis waouh, en fait, c'est monde. Les chat workers, les service workers plus récemment, et même dans Other, vous avez des trucs trop bizarres. En l'occurrence, quand vous êtes sur un Chromebook et que vous appuyez sur la touche recherche, vous avez un petit app launcher, bah, celle-ci a une URL, vous pouvez aussi inspecter son élément. Ça, c'est un truc tout bizarre, tu dis, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la page de background de Google Docs qui vient avec Drive. Vous avez même la possibilité, directement depuis cette page, si vous avez connecté un téléphone Android à votre device Chrome ou même sur un MacBook, à partir du moment où Chrome tourne, vous pouvez voir tous les devices qui sont connectés et interagir avec eux s'ils ont une nouvelle vue Android ou des choses comme ça. Donc c'est super important, cette page-là. Maintenant, quand tu utilises une extension, je ne sais pas si tu as remarqué, ça ne marche pas le Inspect Element. Tu dis, c'est pas juste, c'est du web. Vous retournez dans la page Chrome Flags et vous activez ce flag-là, qui te permet d'avoir ce contexte, enfin ce menu de contexte, pour pouvoir faire un Inspect Element sur l'application. On peut y accéder par la page des extensions. Ouais,
réflexion de oui, aussi. Ouais. Bah, c'est plus visuel que tu fais un clic droit, tu te poses ta question. Je sais où t'es. Ça me permet de faire quoi? Donc là, normalement, je vous explique ce qu'il y a. Tous les slides seront en ligne, hein, vous inquiétez pas. Vous avez juste l'application Wallpaper qui tourne. Et ça permet donc de faire juste un clic droit, comme je vous le disais, et de pouvoir inspecter. À quoi ça sert? Il n'y a pas si longtemps ça, je voyais l'application Wallpaper qui avait une sorte de bug, je ne sais pas ce qui se passait. J'avais juste remonté un bug, ça ne marche pas. Super utile. Donc j'ai juste activé ce flag et je me suis rendu compte en fait que c'était juste l'URL sur laquelle pointait en fait l'application Wallpaper qui retournait une erreur 404. Donc en ce moment, ça permet de donner du feedback plus valuable enfin, aux développeurs. Donc ça peut servir si vous voulez entendre du feedback. Utile. On va continuer sur les extensions, si ça ne vous dérange pas. J'aime bien savoir tout ce qui se passe. Et en l'occurrence, j'aimerais savoir toutes les extensions que j'ai installées et qui sont présentes sur Chrome. Par défaut, tu vas là. Tu dis, bon, bah, Chrome extension, je devrais voir toutes mes extensions. Docs, WebTips, et tout. Je continue. Maintenant, si tu pars en développeur, tu ne vas pas voir plus. Hein. Tu vas juste pouvoir inspecter, en effet, comme tu disais tout à l'heure. Mais tu ne vois pas beaucoup plus que ça. Il y a un an de ça, il y a l'application, il y a l'équipe Chrome qui a sorti une autre application, Chrome Apps et Developer Tools, un nom super long juste pour lister les extensions. Et donc c'est la même chose, donc c'est un peu plus joli, tu as les applications et les extensions qui sont plus au même endroit, tu peux filtrer, bref. Ce qui est juste rigolo, c'est que j'ai pris ces deux screenshots au même moment, sauf que là, je ne sais pas si vous voyez en fait, entre Docs et Quip, j'ai Drive qui arrive. Donc clairement, lui il m'en a rajouté un, mais par exemple, je ne vois toujours pas le thème que j'avais installé sur mon navigateur. Donc il doit bien avoir un endroit où je, peux, où je puisse tout voir. Donc quand je ne sais pas encore une fois, bah, je fais une recherche sur le code source, dans le code source de Chrome, et j'arrive sur ce petit fichier. Une extension peut avoir plusieurs types. Une extension, ça peut être une extension forcément, ça peut être un thème, ça peut être un user script, pour supporter les domestic script. Ça peut être différents types d'applications, ça peut être même un shared module, je ne savais pas que ça existait, c'est super cool. Et tu apprends aussi que ça peut venir de plein d'endroits différents. Ça peut venir du registre, ça peut être poussé par une entreprise, par une policy de ton entreprise, ça peut être un component. Qu'est-ce qu'un component, j'en ai, je ne sais pas. Bref, quand tu regardes ça, tu te dis, il doit y avoir quand même vachement plus de trucs que ce qui me montrait à moi. Où est-ce que je peux voir tout ce qui est installé? Cette URL-là est super importante, les Chrome Net Intelligence, et après vous sélectionnez les modules. Sur cette page-là, vous allez voir tout ce qui est installé réellement sur votre Chromebook ou même dans le navigateur Chrome. En l'occurrence, ce genre de choses que je ne pourrais pas voir. Ça, la Google Voice Search.com, c'est une extension qui est téléchargée du Web Store quand tu cliques sur activer le OK Google. Donc par exemple, si je ne veux pas, je sais que je vais désactiver, et je voudrais bien aussi voir, par exemple, juste avec cet identifiant, je vais pouvoir aussi inspecter son contenu. QuickOffice, sur un Chromebook, vous pouvez directement éditer les fichiers Word et Excel grâce à QuickOffice, qui vient donc lui qui a un component. Donc cette page est super intéressante pour moi quand je vois exactement ce qu'il y a. Faites le test, vous prenez un Chromebook, vous ouvrez un profil, il n'y a rien du tout, et vous dites c'est bon, j'ai pas installé l'extension. Et tu dis, ah ouais, quand même, il n'y a plus une vingtaine de trucs qui sont arrivés. On va arrêter là, on va les installer. Un truc incroyable qui m'arrive quasiment toutes les 6 semaines, c'est que j'apprends un truc super utile qui n'a rien à voir avec le web. J'ai pas le web, mais voici le commit message de Chrome version 37. Le mec s'est amusé à prendre pas mal de faits intéressants qu'il a trouvé sur le numéro 37 sur Wikipédia et puis il les met à ce niveau-là. On va faire un petit jeu. Et vous savez à quel numéro de version de Chrome ça correspond? Tetris, non? Allez, je vais chercher les mecs. Hein. Ah, oui, c'est mathématique. Ah, il y a quelqu'un intelligent quand même. Combien? 7.5. Combien? 7.5. Non, pas 7.5, non. C'est toujours des chiffres ronds pour des versions majeures. 35, voilà. Alors pourquoi 35? Eh bien, vous saurez que cette petite forme-là est appelée un hexamino. Qu'est-ce qu'un hexamino?
Je vais vous lire la définition, c'est génial. Un hexamino est un polyomino composé de 6 carrés de même dimension. Et si l'on exclut la rotation et la réflexion, il y a 35 tuiles différentes possibles. Je vous l'avais dit, hein, c'est fou. Une idée de quelle version de Chrome? Première. Non, la 2. Combien? J'ai entendu un truc cool, donc. Là. Moi, je vais être moins 2. Non, moins 2. Le mec tombe n'importe quoi. Il faut regarder. 22. Non. Ouais, c'est une inverse. Voilà, donc, ce qu'il faut savoir, c'est... Moi, je... 24. Non. 33. La colonne vertébrale d'un être humain a 33 vertèbres si tu comptes séparément les os du coccyx. Je vous l'avais dit. C'est fou. On va regarder ça un peu plus sérieux. Un truc que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps, aussi pour le coup il y a longtemps maintenant, Chrome OS est relativement intelligent. Lorsque je fais du tethering par exemple, ça marche super bien depuis un téléphone Android. Il ne va pas vous faire une mise à jour de mon système d'exploitation. Comme vous expliquais tout à l'heure, il met un jour en fonction du channel. Et une mise à jour d'une version stable, d'une version 32 à 33 par exemple, ça peut quand même bien péter ton data plan quand tu n'as pas prévu le coup. Et tu n'as pas envie qu'il te fasse ça quand tu voulais juste te connecter pour voir tes mails. Et je dis, c'est super intéressant, mais comment ils font pour savoir ça? Est-ce que c'est juste parce que Google il fait Android et Chrome et donc ils sont... Ils sont arrangés pour communiquer ça entre les deux? Trop pas. Quand tu regardes dans ce fichier-là, donc moi je ne suis pas du tout expert réseau, donc j'étais super surpris d'apprendre ça. Donc Shin, c'est le Network Manager dans Chrome OS qui est ouvert. Et quand tu regardes dans ce fichier tethering.cc, tu te rends compte que le serveur DHCP de ce petit téléphone-là encapsule une option qui dit hey, « Eh, je suis metteur, donc fais gaffe !» Ça veut dire donc que Chrome OS prend avantage de cette capacité, mais c'est-à-dire que n'importe qui peut faire des trucs super cool en fonction de tes oreilles. Maintenant, oui. Alors, excuse-moi, le tethering, qu'est-ce que c'est? Quand tu es sur ce téléphone-là et que tu veux partager la connexion internet de ce téléphone avec quelqu'un d'autre, tu vas dans tes options, tu fais comme ce qui s'appelle le hotspot aussi, tu cliques dessus, tu l'actives. Et comme je disais tout à l'heure, donc moi c'est mon hotspot, c'est Android AP. C'est par défaut. Et donc j'avais mis le. Donc voilà, et donc ça permet aux gens de pouvoir utiliser ta connexion internet. Et ce qu'il fait, c'est qu'il le dit en fait. Moi j'ai pas un data plan de folie. Sauf si j'étais connecté en wifi, mais il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Comment est-ce que tu vérifies ça? Comment est-ce que tu es sûr que depuis tout à l'heure, je ne te montre pas des captures d'écran de n'importe quoi, en fait, et que ça n'existe pas? Va toujours vérifier dans le code source de Chromium. Vraiment. C'est ouvert. Tu vas sur cs.chromium.org, tu vas voir tout ce code-là. C'est relativement facile à naviguer, pour le coup. Et si tu as vraiment envie de tester ça aussi chez toi et de te rendre compte, parce que la mise à jour ne va pas forcément arriver quand tu vas décider de tester le truc, tu peux juste voir. Dans chrome2.slash/system, tu vas chercher cette Android méthode dont on parlait tout à l'heure, et si tu le vois, et que tu connais et à ce wifi, tu sais que Chrome OS ne fera pas de mise à jour. Chrome System est super cool aussi comme page, c'est en gros tous les logs possibles et imaginables que tu peux avoir sur ton Chromebook. Donc c'est que ça fait pas mal de URL à retenir, je vous dis, hein, les slides seront. Donc ouais, allez-y. Et pour finir, l'application caméra qui vient avec les Chromebooks. En soi, c'est une application ridicule. Elle te permet juste de prendre des photos de toi-même avec des petits effets. Donc c'est sympa, elle existe. Hein. Elle est open source, forcément. Et le truc sympa, en tout cas, ce qui, moi, je trouve le plus cool, c'est ce qui arrive dans le code source de cette application. Quand tu vas dans ce fichier caméra.js, direct, tu vois des trucs sympas, rouges, qui te choquent. Crazy Pony, Choco Pony. Qu'est-ce que ça vient foutre dans une application de caméra? Qu'est-ce que c'est? Tu vas remonter un petit peu, tu te rends compte qu'on est dans une fonction onKeyPress. Et que tu es en train de bufferiser tout ce que le mec tape dans un KeyBuffer. Donc là, c'est la partie où je suis devant vous, je teste. Donc je vais lancer l'application caméra.
Et c'est là où je me dis, je suis balèze quand même, parce que je suis, même si, c'est, si je vais pas pouvoir montrer, j'ai quand même le slide d'après qui montre ça. Ça me permet, direct, quand je vais taper Crazy Pony, ça va me lancer mon channel picker. Je vais pouvoir choisir n'importe quel film que j'ai, et je vais pouvoir le jouer directement à l'application caméra. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je regarde une comédie romantique avec un effet un peu de folie à la Mad Men, ça va complètement changer le film. Et je vais vous dire, c'est super cool à faire. Le deuxième truc, c'est le Choco Bunny. Choco Bunny, je lance directement ma testing suite à l'intérieur de l'application. Avec, donc soit avec un film, soit directement avec moi. Donc c'est déjà un truc un peu foufou qu'on peut retrouver dans cette application. Si vous avez des questions, vous les posez maintenant. Si vous en avez, elles viennent un peu timides, vous les posez après. Si vous en avez, vous êtes timide, vous pouvez directement envoyer un mail ou un lien. Voilà, c'est pour moi. Pensez fort.